Hop. Et Patrine. Si. Wesh. Il est où le stock là? Il y a aussi l'autre avec Galo. Toxen. Para là. T'avais ton stream? Ouais. Oh, attends, je vais pisser un coup. Ok, on fait comme ça. Voilà, Zetox va pisser, parfait. Bah là, ça va parler full russe. En face, il y a des Russes aussi. Un truc comme ça. Ouais, non, pas trop, mais il y en a, je crois. Tu vois, ça parle. Je vais tenter un. Alors on va voir si échauffement mec la texte pas. Shimala ouais, en autre russe de la team. Ouais il est pas mauvais hein, il a pas mal joué. Ouais, il a pas fait mass match mais il est pas mauvais. C'est celle-ci, c'est celle-ci dans un verre de deux. Vas-y, pourquoi je suis en joueur? C'est quoi la Dia? C'est la Lettonie, la Lituanie? Y a pas le lien. Pas mal de Turcs, je sais pas. Bon, il y a tout en face, madame 2. Ouais. J'arrive pas à donner mon lien là. Chelou. Coucou. Coucou. Toxen. Non, ça va être 1v1. Je suppose que c'est cette map le 1v1, Toxen. Je sais pas. Du tout. Ah, un peu... ah y'a Pain! Ah bah Pain je connais! Là il fait mal! Ouais. Map de shorts, working on it. Lol. Et chez les jeunes Pain! Ouais. Lol. Laisse blague Eva.
ballon, je suis en match. Les mecs ils sont 7 à train quoi. J'avoue il y a trop de monde. Putain il y a pas seulement en fait. Hein ça, là. En fait c'est la team secondaire de MNM. MNM c'est une grosse multi. Hein. Les deux. Ils jouent en division première ligue. Ouais. Là il y a des modes chez MNM. Bon. Ok. Bon, moi, je pense qu'on va y aller un jour. Hein. Je sais pas. De la map. Ouais. Je vais tester vite fait. Elle était chaude. J'ai pas du tout testé le cul. Oh, ça va, c'est un move classique. Ah, les moves bizarres, c'est quand il y a des blocs un peu bizarres. Genre ça, c'est un move un peu chiant. Transfert. Déçu. Pas la fin, ça. Au début, hein. Bah, merci. Bon, ça va. C'est ça que je jouais, c'est un pire à la fin. Genre, à la fin, c'est du raid une fois sur deux. Yep, tu vas m'inscrire alors. Hey, c'est mode joueur. Bonjour les gens. Y'a rien. Hein? Y'a 4 joueurs sur mon stream là, c'est bizarre. Impossible. Mais ils apprennent le français. Quand on streamait le SWC, il y avait le Slovaque, là, un des meilleurs, quand on faisait les online, il venait sur le stream, il apprenait français, t'as vu. Ouais, un de vue, ça fait des minutes que ça a vu. Je suppose que c'est Noro, Shib et Rayla qui vont jouer, je sais pas. C'est 3-3? Mais non, c'est 1. Non, c'est le 1, je pense. Bon, on pas... Je sais pas, va voir les maps, c'est quoi l'ordre. Ouais, attends. Alors. D'ailleurs, je sais pas si on a des viewers FR, mais du coup, je sais pas si vous avez vu pour la Gamers Assembly, il y a des slots qui ont été rajoutés. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Ah, ça y est, il y a encore des nouveaux slots? Ouais, il y a 40 là, il y en a 8 de plus. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu inscrire parce que c'était plein, 8 places encore à la GA. Ah ouais. Franchement, profitez-en. 40 places, c'est du jamais vu sur TM. Hearthstone, c'est toujours plein ou pas? Hearthstone, bah à chaque fois tu te déplaces, mais il y a encore quelques places, je crois. Attends. Ouais. Hearthstone, ouais, il y a encore 37 places. 37 places, dont et déjà. C'est ça, 155 de prise. Ah, il rigole pas là-bas. Pas des PD. Hein. Ça commence du coup? Toujours pas? Non, toujours pas. Mine de rien, c'est le tournoi ATM qui a le mieux marché presque. Ouais, mais là où c'est des escrocs, c'est qu'ils ont vraiment de la thune avec Trackmania quoi. Ouais. Faut vraiment qu'ils augmentent le cash price parce que sinon. Bah, quand tu calcules 50€ x 30. 32 inscrits, oui, ça fait 32 fois 50 quoi. Donc c'est assez propre. Il y avait du 1600€, un truc comme ça. Avec seulement 600€ de cash price. Mais qu'ils se font 1000€, tranquille. Tout que bon TM, ça a toujours été le plus petit cash prize. Il y a Massa, Massa Orcs. Last warm-up. En face là. Alors est-ce que MNM et M2 est meilleur que nous? Bon, on va voir. Il y a moyen qu'on gagne. Pour le papier, on doit être un peu meilleur, mais. On sait jamais. Ouf, dans une minute. On sait jamais ce qui peut se passer sur TM. Yep. On va voir. On a qui alors de la saison, qui va décider. J'espère que Noro va pas trop prendre de risques. Et ouais, saison un peu ratée pour Insect. Sous Sad. Non, c'est la passe pour.
Là, ça joue pour l'avant-dernier, là. Et l'avant-avant-dernier. Je crois. Actuellement, sur cette équipe, Insect est avant-dernier. Et nos adversaires sont derniers. Donc, il y a Easy Killer qui a autant de points que nous. Donc, en fait, ouais, ça joue pour la dernière place. Si on perd, on sera peut-être dernier. C'est sûr, même. Ouais. Tu vois, les MNM1, ils sont. Out. Oui, là. C'est assez lourd. Je crois qu'on va partir entre Neuro et Rectu. Espérons que Neuro se fasse pas Rect. Peut-être blague. Du coup, 7 points sur Working on It de Shorts. Et le gagnant rapportera 1 point pour l'équipe. Mais Shorts, il fait tout quoi. Il fait des vidéos, des maps, allô quoi. Ah bah Shorts, oui, hein. Niveau map, elles sont pas trop mal en général. Par contre, elle a l'air dure. Ouais, elle est pas facile celle-ci. Mass transition, ouais. Neuro qui a pris l'avantage d'ailleurs au début. Ouais, quand on l'envoie au début, il y a mass transition. Il avait un putain de start quoi. Un petit virage serré, un poil tendu. Faut pas essayer de trop rétrograder, sinon on perd masse vitesse. Là encore des transitions. Petit extérieur poteau. La montée, pas trop décoller. Ouais, ah, il fait l'erreur. Ouais, gros, ça va. 1-0. Yep. Comme dit mon coloc, Neuro a juste à jouer safe. La blague. C'est marrant, ils se croisent quasiment. Ah, cette fin, elle est chelou. Hein. Le plus dur, c'est de trouver la route au début. Hein. Elle est pas facile, la fin. Ah, ouais, j'ai toujours du mal à trouver le chemin. Une 460 tranquille pour Neuro. Le DTR, okay. C'est Dovi en 1-3-5, un PKD. PKD qui joue aujourd'hui contre... Ah, bah y'a un contrat. PKD AA et... Easy Killer. Easy Killer contre MNM, ça va être deux putains de match. Ouais, ça va être super lourd. Bah, ça joue à 20h d'ailleurs aussi. Les deux à 20h, je crois, du coup, pas moyen d'en streamer un. Mais la semaine prochaine, peut-être que je streamerai la finale, du coup. Qui sera lourde. Donc, je vous tiendrai au courant. C'est ma page Facebook qu'il faut suivre. Voilà, si je stream la finale en français de l'ESL, oui, dimanche prochain. Non. Bon, 1-0 pour Neuro du coup qui rep... Voilà, non, ça va, c'est kiff kiff. Bon, oh, non, ça va. Là. C'est bien parti pour les deux. T'as les choux de la map. Rect qui cette fois ne se fait pas rect. La vieille blague. Toujours Neuro, E-head off le 2e. Un petit 10e maintenant. Ouais, Neuro est comme plus rapide. Pour l'instant, il tient. Mais Rect t'es pas loin. On arrive vers la fin de la map. Faut tenir encore un petit peu pour Neuro. Ah ouais, elle est chou la fin. Ouais, grave. Oula, Red qui remonte, Neuro qui a perdu de la vitesse. Ça passe. Non, ça va. Une 4,49 pour Neuro. Ouais, c'est un bon run. Un run correct, toi. Ouais. On a vu dans le warm-up d'une 4 de Poké. C'était pas mal. Je sais pas, et je pense pas qu'il y aura des 1-3. Hein. Bah, le DD30 est en 3,88, donc je pense pas que là, niveau on joue, on aura du 1-3. Il y aura peut-être des points 2, je sais pas. Ouais, point 2, point 3, c'est du montant, je pense. Là, en haut, dans le warm-up, t'as Poké qui a fait un point 0,6. Et Rectu qui a fait un point 16. On est encore parti super fort là. On a close DD1 au début. Encore très serré, mais c'est encore un euro qui a le petit avantage là. Ouais. Donc il a trop drifté Rectu là. Petite erreur Neuro quand même, il a perdu un petit poil. Ça va. Il a toujours 2 dixièmes d'avance. Rect qui prend un mini bug bordure mais tranquille. Neuro toujours devant tranquillement. Ça joue bien des deux côtés mais Neuro prend un avantage. Il a un petit bug bordure encore. Oui ça passe ouais. Mais il arrive pas à remonter Rect. Ouais. Encore une fois, Neuro prend l'avantage au début et puis ça passe. Même alors, on commence à descendre, point 3. Ouais. 3-0 pour Neuro donc. Ouais. Ouais, en plus il a confiance là, 3 runs sont touchés pour une fois, qu'il est régul. Ouais. On sait qu'il peut faire des temps de malade mentaux, mais
Il a du mal des fois à réguler à safe, mais là ça va. Ouais, ça, ça passe bien. Après, ouais. Il a pas eu besoin de forcer vers la fin pour l'instant. Non, non, non. Mal, sauf là où il est. Où il part un peu derrière cette fois. Ouais. On va voir. S'il arrive à revenir ou pas. Rectuc a fait un super départ. Ouais, un gros départ. Ah non, ouais, il prend un tout petit bug dans la transition. Vers encore un dixième. Ouais. Ah, ça va être dur de revenir. J'ai l'impression que sur cette map, c'est facile de revenir en plus. Ici, là, on a des virages, là, il y a moyen. Mais là, il est un peu loin. 3 dixième, c'est chaud. Ouais. S'il n'y a pas d'erreur de rectus, ça va être compliqué. Ouais, boum, gros stop de Neuro. Yep, ça fera 3-1. Mais Rectu qui va finir par un temps pas dégueulasse. Un petit point 2 ou point 3, je sais pas. Ouais, point 33. Allez, on est reparti. Faut essayer de pas se faire distancer au début, j'ai l'impression qu'après c'est dur de revenir quand même. Ouais. Pour l'un ou pour l'autre. Donc ok. Oh non, il a perdu. Bon bah voilà, un joli bug de nouveau. Transition, perd la vitesse. Dommage. Yep. Il a joué inter et puis c'est un peu le risque. À nouveau un tranquille pour Rectu donc. Ouais. C'est qui tout double? Je pense qu'ils ont mis leur meilleur joueur hein, dessus. J'espère, sur l'arrière. J'espère aussi. Du coup, le 3v3 ce sera. Je connais pas l'attitude. Dédicace à mon pseudo. Voilà, Rectu qui finit tranquille, 1475. GLM. Ça suffit. Rectu d'ailleurs qui est dédié 15, hein, une 375. Hein. Ah ouais, il est pas content. Ouais, j'avoue. C'est vrai que. Au vu de son PB, sa gueule est pas terrible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, c'est un PB. Hein, donc... Ouais, mais bon, normalement, il peut au moins régu à. En 2, quoi. 5 dixièmes, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Je crois que Noro, il est même pas en 1-3. Je sais pas. Nouveau inter, ah, du coup il va passer. Nouveau qui risque un petit peu, qui essaye de rester pas trop loin si possible. Rectu qui s'est réveillé là. Ouais. Pour des bonnes phases là. Nouveau qui prend inter, il décolle un petit peu mais ça va, du coup il arrive à remonter. Du vitesse pour Nouveau. Voilà, il va passer là. Voilà. C'est serré. Ouais, ça va jouer à rien là. On aura plus ouais. De vitesse. Il prend exter, attention. Rectu qui prend un tout petit bug, mais ça passe. Là, Noro qui prend inter, qui attaque un petit peu pour la fin. Ça va être pour. Ça. Passe pas. Dommage. Très bon run. Ouais. Très très bon run. Noro qui a tout tenté, c'est dommage. Ouais. Tiens, Noro qui s'appelle Maxime apparemment. Ou alors c'est un troll de Redline. 3 partout, hein. Rectu là qui s'est mis dedans et puis ouais. Dur à battre, hein. Il sort les points 3. Il a pris la confiance, c'est bien. Ça joue vraiment bien en tout cas. Ouais, ça joue pas mal. Hein. Il arrive à garder une bonne trajectoire derrière. Il a une voiture d'avance. Ouh, Rectu il a accroché la bordure là. Il y a Noro là. Il va passer devant au score. Et du coup il a pas beaucoup de vitesse là. Il est déjà. Ça passe très très très. Alors là Noro ouais. Ouais, Rectu c'est pareil.
Bah, du coup, point pour un plus il touche l'actu. Ouais, parfait, ça, 44. Ouais, 4-3 pour Noro donc qui repasse devant. Ouais. Ah, ce troll qui dit easy quoi. Allez, on est reparti. Je pense que les deux teams ont à cœur de pas finir dernier. Ouais. Et en même temps, les deux ont dû se dire il y a moyen si, on gagne, si on en gagne un, c'est celui-là. Du coup ça a dû bien traîner. Rectu qui a dû ralentir un peu en sortant, les être large sinon il aurait tapé. Du coup Noru a 2 dixièmes d'avance. De tout petit dixième. Ça pourrait suffire. Hein. Pour l'instant Rectu qui remonte pas, il manque de vitesse. Là il a une très trop, hop, et voilà. Et il était trop large en sortant avec les dénivelés, ça passait pas. Normalement ouais. Juste là, Noro qui est sur un putain de temps. Ouais, j'ai peur qu'il... Noro, il est sur un gros temps là. J'ai peur qu'il attaque là, qu'il touche. Ouais, je pense là, vu son temps, il le tente. Ouais, ça va être du point 1. Ah ouais, point 12, c'est lourd. Lourd. Ouais, là, Rekki pouvait rien faire. Hein. 5-3 donc, à 2 points de rapporter le point du 1v1. Allez là, faut les mettre maintenant là. Yep. On est reparti. Noro qui part trop large, il s'en sort bien, mais il a quand même du retard dès le début. Gros départ du Rectu là qui est 77 ouais. Sur le PB. 0-0-0. J'ai l'impression que tu joues au départ en souvent. Ouais, très bon départ du Rectu. Là il a fait un double drift de Rectu là, il a perdu du temps Rectu aussi. Ça va être compliqué pour Noro. 32 centièmes. Ouais, ça va pas être facile là. Au Rectu qui touche. Ah, c'est dommage, ça c'est une erreur vraiment bête. Et puis derrière, il a réussi à lancer son drift, il a failli notre drift. Et du coup, round normalement tranquille pour Noro, qui était parti derrière. Ah là, ça va faire 6-3. C'est le moment clé du match. Du sous-match plutôt. Faut qu'il assure là. Voilà. Yep, tranquillement, point 57 là. Rectu qui offre le round à Noro. Et du coup, au lieu de faire un potentiel 5-4, ça fait 6-3. Round de mini-match pour Noro. On est reparti. Le D1 est pas ouf pour le début hein, quand même. Ils sont tout le temps devant quasiment. Pas de bug pour Noro cette fois. Il se passe bien. Avec tu qui suis, hein, qui est même pas un dixième ouais, la trajectoire assez similaire. Ça va être un gros round là, je sens. Du vitesse pour Rectu là, il va rentrer dans le virage. Ouais. Ouf. Noro qui a une trash ouais. Pas ouf là. Rectu qui passe devant. Ouais, ce là il est vraiment pas loin. Noro là qui prend un peu plus large pour essayer de. T'auras plus de vitesse en sortant, mais ça paye pas. PS pour Noro, oula, plus de vitesse ça. Ouais, il a plus de vitesse. Extérieur, plus de vitesse. Plus large. C'est pour Noro. Non, mais il le gratte à la fin. Ouais. GG à lui. GG sort, gros round encore. Ouais, du très lourd pour les deux là quand même. Ils ont fait 4 gros rounds comme ça. Ouais. C'est GG ça. Y'a rien à dire là. Ah ouais, là c'était même pour les deux. Il a pas fait de restart là. Du coup, normalement, on reste sur la même map. On va passer au 2v2. Je pense que c'est Shibala et Raylag côté insecte. Ah, Shibala qui a une 3 en PB, j'ai vu à droite là dans les records locaux. Yep.
que Poké. Ça va être Poké et Annex du coup. Annex. Un Allemand. Ah là, avec là un je Turc. Pense que Poké il est montré fort. Ouais, mais Shibala, vu son bébé. C'est le jeu de mots avec Pocket. Oh, Pocket. C'est Poké. On va voir. Bah, je pense que là, les insectes, ils sont bien motivés du coup. Ouais. Un point donc pour insectes. Je rappelle que le 2-2 rapporte un point également. Et puis le 3-3, 2 points. Et le 5-5, 2 points. Que c'est le dernier match de la saison. Il faut rester connecté puisque je pense que je vais streamer d'autres trucs à l'avenir quand même. N'hésitez pas à suivre ma page Facebook. Je vais la linker d'ailleurs. Dans le chat. Qu'est-ce qui me parle, ça parle mal sur Facebook. Base de cœur TM. Ah, Shiba qui a le skin de Dignitas. Ouais, t'as vu? Il a même le nom insecte écrit à la Dignitas. C'est troll. Cette année, c'est bizarre, il n'y a ni Acer ni Dignitas. Bah, si, Acer, ils étaient Castucci. Bah, je sais, mais ils sont plus quoi. Ah, ouais. Il y a Dignitas, il préfère jouer le rock en ce moment. Voilà. Je pense qu'on va bientôt y aller, encore un warm-up après et puis... puis ça va être bon. Là le niveau devrait peut-être être un peu moins élevé. Puisqu'en bon, général les meilleurs jouent le 1v1. Après faut voir qui joue. Au warm-up qui a fait 1.0. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas OK. Et Raylag a pas l'air dégueu non plus. Ouais, oh, Raylag, je sais qu'il était chaud pour le train. Tiens, on a Pope qui traîne par là. Il a fait 1.33 déjà. Ça doit être 4h du match chez lui, un truc comme ça. C'est abusé. Ouais. Non, quand même pas, parce qu'ils habitent à l'ouest de la Russie. Je crois que c'est 3-4 heures. Non, Pok, c'est Australie. Ah oui, Pok. Ah, je crois que tu peux Raylag. Non, Pok, Australien. Ah oui, bah là, c'est largement plus que... C'est comment l'Australie, c'est 10-12 heures, non? Ouais, comme ça doit être genre du 6 heures du matin. Ouais. Limite, tu vois, il dort, après il se lève, tu vois. Bah, c'est ça, hein. Il m'est réveillé le matin. Dites coucou sur le chat ceux qui sont là. Il y a des gens parfois qui passent. Ils disent même pas coucou. Des ombres.
Allez, je vais sortir un gel à chef aussi, et puis on va y aller. 2 contre 2 donc entre Rayla et Shibala et Anix et Poké. Pam 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 pam. Parti mon insecte. Yep, on est parti. Poké qui fait l'erreur dès le début. C'est dommage. Il a voulu partir un peu trop fort. Du coup, il reste que Anex pour accrocher le match nul. Je rappelle que souvent on a des matchs nuls en 2v2. Hein, il suffit que le premier et le dernier soient de la même équipe. Anex qui fait l'erreur sortie de virage. Du coup, c'est tranquille pour Insect. Les deux sont devant. Ils ont pas fait d'erreur, ils ont juste à safe. Ouais. Ça devrait aller. Ça devrait. Bien sûr, on n'est pas à l'abri pour un 2 contre 2 de retournement de situation, on en a déjà eu beaucoup. Mais... étonné là quand même, deux erreurs un peu bêtes dès le début des MNM. C'est pas chaud, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'après le premier round. Bah écoute, tant mieux pour nous. Hein. C'est le début. Je rappelle que aussi que j'ai pas dit d'ailleurs. Que le 2v2 ça va en 5, étant donné qu'on a le risque d'avoir des matchs nuls, voilà, on va moins loin parce que ça peut durer quand même très longtemps. Mais du coup, la contrepartie c'est qu'il faut être vite chaud parce que sinon on peut vite perdre quelques points au début et après c'est mort. Donc voilà, 2.7 pour les insectes, pas des temps exceptionnels, mais bon, c'était tranquille de toute façon. Allez, deuxième round, après ce round facile pour insectes. Sur Anix. Ouais, Anix. Ouais, c'est paqué, c'est bien. Ouais, pas d'erreur dès le début cette fois. Un round de plus disputé. C'est les MNM qui sont en tête. Mais bon, Rayla remonte là, puis bon, c'est pas encore. Le capitaine ukrainien est là. Yep. Il veut pas laisser Poutine prendre l'Ukraine. Là, on a deux 1v1 qui se font un petit peu. Rayla, ouais. Et Poki derrière Shib et Anix. Anix qui remonte d'ailleurs un peu. Situation de match nul, mais c'est encore très très serré, ça va jouer sur la fin. Poké qui prend un bug, mais il s'en sort bien. Poké qui fait l'erreur, il craque, il laisse Raylag tout seul. À moins qu'Anex remonte sur Raylag, ce qui est pas le cas. Oh, Raylag, oh, oh non! Oh là là, Raylag, psychologiquement. Oh le craquage. Il avait juste sa safe. Ah là, c'est typiquement une erreur psychologique. bon. Bon, d'ailleurs, on le cash price du Trackmania sur la GA était annoncé. Bah, ça fait longtemps qu'il y a un. Mais ils ont augmenté, première place 400. Ah, ils ont augmenté, j'ai compris, ça a été annoncé. Donc, première place 400, deuxième 200 et troisième 100. Les vieux cash price. Ils ont monté à alors que League of Legends, premier 5000. C'est où que t'as eu cette info? Le site n'est pas mis à jour encore. Et news, la dernière news de la GA. D'accord. Je vais aller voir ça. Ouais. Du coup, ça fait combien en tout? De quoi? Pour TM? Ouais. 700. Ah ouais, d'accord. Après 700 en dotation financière. Après, je sais pas ce qu'il y a en stuff. Hein. Ouais, ils ont juste monté 100 le premier, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ils se foutent de notre gueule, quoi. Ouais, c'est un peu ça. On parle, mais du coup ça devrait faire un round tranquille pour Insect également, puisqu'on a encore eu du crash côté Anix. Ouais. Et Raylag et Shibala sont devant Poké, donc cette fois ça devrait faire un round assuré pour les insectes. Mais Poké a pas crash, mais il a dû ralentir, je sais pas. Ouais, il a dû perdre un peu, c'est vrai qu'on était focus sur la GA. 39 et 55, c'est propre pour Insect, hein, quand même, ils sont joués les Insect. Hein. Ouais, GG. Il y a 2-0 donc. J'annonce qu'il n'y a toujours pas de team inscrit à Shootmania. Sérieux? Aucune? Et le cash prize est plus élevé que le nôtre. Sérieux? Enfin non, c'est pareil, enfin, c'est 1200 divisé par 3 parce qu'ils sont 3 mais 400 mais... Oh, il n'y a personne à Shootmania alors qu'il y a 1800€ de cash prize. Ouais. D'ailleurs, il n'y a toujours pas Smite aussi. Il y a sûr qu'ils vont enlever Heroes of the Storm. Il y a aussi personne sur Heroes of the Storm. Ils vont mettre Smite, je pense.
t'espère parce qu'une autre équipe smite. Ah, une erreur de poké là. Ouais, grosse erreur. Et non, Annex a pas fait de grosse erreur. Si, il a fait une erreur quand même. Il a ralenti. Décidément, voilà, on a vu Poké qui a fait une 4 piles en warm-up, mais niveau régu. C'est zéro quoi. 3 runs voilà, où les deux touchent. C'est ça, c'est ça. Enfin, non, il y a juste un run où il y a un qui a pas touché, mais. Ouais. Il a été sauvé par l'erreur de Rylag. Une erreur de Rylag, mais pour l'instant, sinon. Ah bah là, Annex fait une erreur. Ouais, les insectes ils sont pas inquiétés, hein, là, Rylag et Shibala. Et puis, ouais, ils jouent pas trop mal, hein. Ouais, je pense aussi ils ont été. Le moral a été augmenté par le 1v1 gagné, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Ils ont un cœur de bien faire. 49 et 59, hein, c'est propre, hein, c'est propre. Et 3-0. Juste mise à la dotation. Par exemple, la dotation de LOL. Première place, 5000. Ah, quand même. Divise par 5, ça fait 1000 euros chacun, c'est pas mal. Hein. Ouais. Après, CS, je sais pas. C'est pareil, je crois. Ouais, CS, 5000 premiers. Ah, Shibala qui a fait une erreur dès le début, c'est dommage, concentration. Ouf, une de Cyanus, je crois. Il faut compter sur Rylag pour. Ah, Poké qui est out. Ah, bah d'accord. Ouais, Poké qui est out. Bon, bah ça fera nécessairement un point. Ah non, ça peut faire. Attends. Non, ça fait obligatoirement un point. Ouais, ça fait point pour. Même s'il est. Même si Annex finit premier. Ouais. Ça fera 5-4. Poké qui est pas dedans, hein. Il a passé à côté de son match, c'est arrivé, hein, même à moi de passer à côté du match. C'est pas marrant. Surtout toi. Oh. En... Bah bon, moi je suis là au match quoi, et je joue. Ouais, en... c'est vrai. Moi je suis là au match au moins. Ouais, c'est bien, merci Datox. C'est vrai, c'est déjà ça. T'inquiète pas, pour la GH je vais train, t'as vu. Ouais mais la GH c'est une coupe solo, moi je m'en fous que tu traînes. J'ai envie de te battre, j'ai envie que tu traînes moi. Déjà sur les 34 inscrits, je suis dernier quasiment. 32 pardon. T'as un... D'ailleurs, je crains que. Enfin, c'est cool, mais du coup, les 8 slots qu'ils ont rajoutés, ça va être pris rapidement. Bah, c'est pas plus mal, non? Et déjà, Didou et Mantos qui s'inscrivent. Ah, mais Mantos, il est déjà dedans. Hein. Non. Si, je l'ai vu. Si? Ouais, ouais. T'es sûr? Ah, c'était Bren plutôt. Ouais, c'était Bren. Oui, c'est Bren. Ouais, ouais mais là, sur les 32 inscrits, je suis dans les 30 premiers, je pense, mais pas plus. Sur les 32 inscrits, dans les 32 premiers, no fake. Bah, on rigole, 4-0 pour un sec, du coup. C'est vrai qu'il y a du monde. Hein. On est plus trop focus sur le match, mais c'est gros y a... monde. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde, il y a vraiment tout le monde. J'ai l'impression que tous les joueurs français, en tout cas, actifs ou plus ou moins actifs avec des niveaux corrects, sont là. Hein. Attends, je vais faire un petit résumé après. Ouais, on verra après, là, on est dans le match. 4-0, du coup. Un round assez serré là. On a déjà passé le milieu de map et toujours devant. Il y a peu de cas. Ouf. Ouh. En bas. Shibala qui a craché. Bla. Ouais, oh, Shibala. Faut que Rylag finisse premier. Ouais, mais ça va être compliqué. Rylag qui tente un petit peu de perdre la vitesse. Rylag qui est quand même derrière. De vitesse. Il remonte sur Poké. Tout va jouer sur la fin. Plus exter. Ah non, ça va pas faire. Non. Dommage. Rylag qui a pas réussi à sauver son coéquipier. 4-1 du coup. Ah, faut rester concentré, hein, ça peut aller vite. Je crois qu'il n'y a pas de tennis mode sur le 2-2. Ah, si, quoique. Si, il doit y en avoir. Si, il y a. Allez. Encore un round pour Insect et ce sera déjà 2 points assurés. Et s'il gagne là, donc ça fera du 4-2 pour en face. Enfin, il n'y aura pas de match nul en tout cas. Il y aura forcément une. L'équipe gagnante. Voilà, round serré. Enfin, c'est le début, reste calme. Rylag, un peu trop externe, mais bon, ça va. Ouais, c'est Poké qui est bien parti par rapport aux autres. Avant qu'il crache. On l'a vu faire beaucoup d'erreurs. Bug bordure de Rylag. Ah, dommage, ouais. Rylag est un peu derrière, mais si on a un gros crash d'un autre, il pourra passer devant. Ouais. Bon, on espère pas pour eux. Oui. Mais... Ou alors, il faut que Shiba finisse premier. Ouais, Shiba là qui a des trains un peu. Bon, ça passe. Non, ça bien. Va, elle a de la vitesse là. Ouais. Boxter. Ah, Nyx a fait l'erreur. Rylag est passé devant Nyx. Pour l'instant, ça fait point pour Insect. Si Chip finit devant, sinon ça fera un match nul. Oula, Poké qui a perdu de la vitesse là. Je crois qu'il a pris un petit bug dans la transition. Ouh, Shiba qui touche, il craque. Ah, ouh, Poké qui se met sur le dos. Oh là 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 là, les deux. Oh là 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 là. Le round poubelle quoi. Poké qui est en mode tortue. Oh là 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 là. Ça va faire un match. Ah non, bah non. Ça va faire point. Je vais sortir un NTR là quand même. Rylag qui comprend pas, c'était le premier à crash. Ah,
Non, avoir un bug, pardon. avoir une mistake. Mistake. Il n'y a pas de bug sur TM. Il a fait une erreur involontaire. Du coup, 5-1, la sauce. Exactement. Tranquille pour Insect sur cette map, hein, de manière générale. On va passer sur la 3-3, donc sur l'assitude de Pain. Avec un dédi 1 de poker en 58 piles et un dédi 30 de scrappy en 58-2. Ah. Map assez courte, entre guillemets. Écoute Insect, je sais qu'on aura Goobert. Sûrement du Nuro Relay avec lui. Ou Chib, je sais pas en fait. Je crois qu'on a 4 trains en fait, il a tué 4 joueurs train. On va voir. Là les Insectes ils sont en confiance hein, je pense. S'ils gagnent cette map, le match est gagné d'ailleurs. Ce qui serait pas plus mal parce que je crois que sur la 5-5 on est un peu moins chaud. On a 5 viewers et ça parle même pas sur le chat. La déception. La déception. Vous allez être puni. Ah bah y'a Pok. Coucou Pok. Y'a Pok. Hey en... Pok. Hey Pok. Pok en spectateur. Australia, yeah. Ma petite pub entre les maps. Hein? Ma petite pub entre les maps, tranquille. Oh, je fatigue. Ouais, les gens comme ça qui sont fatigués. Ah ouais, les gens comme ça. Récuc encourage ses coéquipiers qui était du coup vraiment le meilleur joueur hein, côté MNM sur la map précédente. Je pense qu'on aura Pain évidemment sur sa map, Poké et Unkonz, on va dire Unkonz, ça me paraît bien. Un turc, du turc, du belge, de l'allemand. Ah, il y a tout. Et ouais, c'est Trackmania. Hein. Neuro qui dit qu'on est no life. Et qu'on a un petit 58-6 de Goober quand même. Une map encore une fois pas très simple, hein. Pas mal de dénivelé, transition. Ouais. Beaucoup de des grosses. Des gros freinages, on perd beaucoup de vitesse. Un petit passage tricky, on vient de voir les joueurs passer là. Une sorte de couloir, on est obligé de raser les murs. Apparemment, on va faire un dernier warm-up avant d'y aller. Bon, tu meubles.
Ah ouais, le mec il met des vents. Ils sont morts. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle à qui là? Toi tu parles à qui? Je parle à toi moi justement. Moi je parlais à toi. Ouais, tu m'as pas répondu quand je t'ai parlé. T'es qui toi? Je sais pas, toi. Bah. D'accord, le problème du mec. Bon, ce sera Goober, Noro, Raylak, je suppose. Ouais. Noro, Raylak, il joue déjà deux maps. J'ai créé Raylak, joue la 5-5. Bah, il joue les trois maps en fait. Noro, ça va être pareil, je pense. Ouais, bah, les deux jouent les trois maps. Ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Ouh, gros temps de pain. Ouais, point 46, c'est pas mal du tout. Ouais. Pas content. Il est tranquille, il dit que Pain connaît sa map. Allez, j'ai la chef. Je rappelle que si l'insecte gagne cette map, ils auront gagné le match. Sinon, le 55 décidera de tout. Allez, Pain, Uncons, Poké contre Goober et Lag et Noro. Goober qui a été pas très chanceux lors du dernier match, on se rappelle, contre VSP. Non, contre Exception, ouais, il était pas chanceux. VSP, je sais plus ce qu'il a fait. Je sais pas. Contre Exception, il avait joué. Enfin, même VSP d'ailleurs, ouais, il avait joué la. Il avait joué le 3-3 et le 1-1 contre Exception. J'espère qu'ici ça ira mieux. C'est bien parti pour tout le monde. Hein. Goober en tête d'ailleurs, Goober qui no drift. Ça c'est fait. Du coup il faut que ses coéquipiers le sauvent. Noro en tête, mais les trois MNM n'ont pas fait d'erreur et sont là aussi. Il faut que Noro et Raylak fassent le travail. Ouf. Oh, gros crash. Oh là là, gros crash côté MNM. C'est possible que Cooper repasse devant, il est déjà d'ailleurs repassé devant déjà. Ah ouais, là c'était le crash ultra violent. Un autre crash MNM, Noro qui touche, c'est dommage. Noro qui craque. Oh, elle est un peu trop large, il fallait juste. Au pire, il aurait perdu un peu, mais ça va le faire. Ça va le faire. Pain aussi, il a crash. Safe. Ouf. Oh là là. Allez, c'est parti. 1-0 pour Insect. T'as Raylak, il m'a fait super peur sur la fin quand même. Moi aussi. Il a voulu prendre un inter bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, allez, 1-0 pour Insect. Deux crash côté MNM, un seul côté Insect, donc voilà. On va en 7 à nouveau. Uncons qui a raté son départ complètement. Du coup, il a pris une trajectoire bizarre, il a dû prendre l'extérieur poteau, donc il est complètement à la masse. C'est dommage, une petite seconde de retard dès le début. On va se mettre sur Goober, espérant que ça se passe mieux pour lui cette fois-ci. Pain qui est en tête. Mais les insectes qui suivent. Oh, Pain, ils sont volés là. Ouais, ma Pain, il a pris la bordure à gauche, ça l'a bumpé et ça l'a envoyé à droite. C'était déjà une course avec crash, donc là c'est plus bénéf pour Insect. Ouais, normalement ça devrait aller pour Insect, ils ont les deux en place. Franchement, ils ont quoi, c'est les trois premiers là. Ouais, ils sont même les trois premiers. Donc, c'est même peut-être un Ace. Ouais. Juste la Poké qui fait des crashs de caca. Et boum! Elle est très bon ton euro là. 140 euros, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est très très correct. Pire que ça. À moins de 3 dixièmes du record du monde. Faut ouais. Le faire. Les MNM qui essayent encore de se motiver, hein. Ils peuvent encore gagner les matchs. Sachant que si les insectes gagnent le 3 contre 3, le 55 n'aura pas d'intérêt puisque. Ah quoi que peut-être le Golavera, je sais pas sûr. Faut voir si on est avant-dernier ou si on est devant Easy Killer 2. Ou un crash no drift là, encore une fois, hein, cette partie elle est compliquée. DMNM, c'est Uncons. Goober est un peu à la traîne pour le pack de devant. C'est Poké qui est en tête. Ouf, Poké qui crash. Du coup il reste peine devant mais derrière il y a tous les insectes. Du coup ça fera encore un point insecte je pense. Bah ouais, je pense. Manque de régu. Ah, Noro qui fait une petite erreur là, c'est dommage.
Non, non, ça va. Il va rester devant. Quoique. Ouais, ouais, non, ça va le faire. Ouais, c'est bon. Ah, quoique. Faut que ça reste comme ça, là, quand même. Faut que ça reste comme ça. Faut que Noro reste devant. Ah, bah non. Ah, bah non. Noro est passé derrière. Uber qui a fait une mauvaise fin. Dommage. Allez, c'est parti. Faut oublier ça. Ouais, 2-1 donc, hein. Les MNM qui ont mis le round quand même. C'est dommage, les petites erreurs à la fin côté insect. Bref, on est reparti. MNM qui est quand même un peu plus instable que insect pour l'instant. Au point, c'est Raylag et Noro. Raylag qui a de l'avance du coup au point. Ouais, pour l'instant, toujours pas d'erreur. Qui ferme la marche, ouais. C'est pas trop mal pour insect, même si c'est vraiment paqué pour le coup. Pas encore une grosse erreur pour l'instant, ouais. Hein, c'est rare. Les 5 sont très très paqués, il y a juste Goober un peu en frais. Ouais, c'est vraiment serré. Il attend l'erreur. Yep, il est en embuscade. Toujours pas d'erreur. Hein. Goober qui tente un peu de remonter, mais. Ça passe pas, on va se mettre un peu plus devant. Raylag et Noro qui tiennent. Si Raylag et Noro tiennent, ça fera un point insect super disputé. Ouais. Et ils tiennent. Ah, vraiment, vraiment joli un run, gros bon round. Un très très joli run. On crash. Raylag et Noro qui ont de l'avance au point là quand même. Pour l'instant, avantage à insect 3-1 donc. En rune paquet pour l'instant. Ouais, ça joue pas trop mal une nouvelle fois. Ouais, c'est, ça joue bien là. De côté. Ouais. Meilleur départ. Ouais, non, je sais pas. Ah, petit avantage insect. Ouais, vu que Noro est passé là. Ouais, Noro, Relax sont là. Après, c'est à la lutte entre Uncon, c'est. Et Goober derrière. Ça va encore jouer sur la fin. Passe devant. Ouais, c'est la lutte entre Pain et. Oh, Noro qui fait l'erreur. Ça fera un point, MNM. Faut que Raylag y passe là. Ah, c'est chaud. Il y a des bons rounds. Hein. Ouais. Là, en plus, la map est pas facile. Hein. Ouais, la map est pas facile. Et c'est vrai qu'il y a très très peu de crash depuis 2-3 rounds là. C'est, ça joue assez bien. Coucou aux gens sur le chat. S'il y en a. 3-2 donc pour Insect. C'est pas fini. MNM qui lâche rien. Noro qui fait l'erreur. C'est dommage. Mais il nous reste Goober et Raylag derrière. Pain qui a fait une erreur aussi. On sent toujours un petit avantage insect. Il faut que Goober reste premier. Que Raylag remonte. C'est très serré devant. Noro devrait finir devant Pain. Sur Goober. Ouais, ça devrait le faire. Nice. Ouais. Bien joué à Goober. Il a ramené le round. Un point de différence sur ce round. Hein. On a eu quand même du 9-12, 12-9, 9-12. On a eu 11-10. C'est serré. Et 4-2 pour Insect qui lâche rien. Niveau des points, Raylag il fout la sauce. Ouais, Raylag il est pas mal du tout. Poker monté devant Noro avec les deux. Quelques erreurs de Noro quand même récemment. Si tu calcules, Raylag a pris 29 points sur 36 possibles, c'est pas mal. Yep. Un euro, ça fait 2-3 rounds qui crash, c'est dommage. Encore Goober qui ferme la marche. Pas de ouais. Crash. Là il rattrape, il a de la vitesse. On a des trajets assez similaires sur cette map. Hein. Goober qui tente un peu, là on voit qu'il prend assez serré. Pain qui prend la tête là. Ouais, il est devant, mais tout juste. Ouais, c'est encore très on va arriver à la dernière portion là. Là, on a deux MNM qui ont pris des trajets un peu plus.
un peu différent. Ça va être un point. On a une erreur random, une erreur crash de neuro aussi. Crash de... Oh là là. De neuro. Ouais, allez, on a crash de Roy Lag. Ouais, ah, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est drôle, là. On a eu deux crash, on a des crash M&M vers la fin. Ben, il carry sa team, mais derrière une conce, il est un peu faiblard. Ouais, une conce, c'est dernier en point. Neuro est avant-dernier en point alors qu'il était deuxième, juste parce que ça fait 4 rondes, je crois qu'il fait une erreur, Neuro, quand même. C'est pas des grosses ouais. erreurs, mais il touche, quoi. Allez, 5-2, Goober qui fait l'erreur dès le début, c'est dommage. On va voir si ses coéquipiers peuvent carry. Les insectes à 2 points gagné le match. Alors, elle like un. Ouf! Une erreur M&M là. Je sais pas si c'était Pain ou Uncons parce que les deux sont derrière maintenant. Il reste que Poké devant à la lutte avec Ray Lag, même Goober est passé dans les autres M&M, donc à mon avis ça fera un Allez, ça va le faire là. Ouais. Ça fera un round de match pour Insect. Donc. Neuro, faudrait pas qu'il crache cette fois, comme ça il reprendra un peu la confiance aussi. Je pense qu'il va safe, ils vont tous safe de toute manière. Les M&M qui ont un peu craqué. Ils sont un peu en dessous, hein, les M&M quand même au final. Ils ont du mal à tenir. Tout le temps des grosses cadences. Enfin, les cadences des insectes en tout cas. Pas contre, oh là là, c'est le temps que. Neuro, neuro. Quand tu regardes les compétences, c'est neuro et ouais, pain. C'est vrai que 58-5 c'est assez lourd, hein. 5 dizaines du dédien. Bah, c'est vrai que Poki et Nikons ils sont faibles, hein. Tu vois les top 10, Nikons il a fait qu'un 86, c'est pas assez à hein, ce niveau là. Et ouais, on parle pas parce que tu verras ce que je vais faire la même d'après. Ouais, non, mais non, je sais, mais quand t'as du Neuro et du Rylag qui font du 5. Ah bah, Neuro et Rylag ils sont chauds. De toute façon, l'insecte était chaud, il voulait absolument gagner ce match quand même. Donc, Rylag il m'a dit il est chaud. Et c'est vrai que là, pour le coup, sur les deux maps, le Neuro et Rylag, là ils font le taf. Hein. Il y a moyen qu'ils fassent aussi le taf sur la troisième. Hein. Donc, du très très lourd. Après, on a eu 2 semaines. Hein. C'est vrai qu'on a pas joué au match dernier, donc les maps sont sorties depuis 2 semaines quand même. Ouais, je sais, mais ils ont aussi eu 2 semaines les autres. Ouais, bah, c'est sûr, mais je veux dire, t'as le temps de. Enfin, c'est pas comme si t'étais train sur les 3 maps en une semaine, quoi. Là, gros départ des insectes, mais bon, les M&M sont derrière, mais j'ai pas vu Poké à. Ouais, Poké, ah bah, un nouveau crash, bon, c'est la fin. Il y a déjà une seconde. Pain aussi qui a crash, qui est déjà une seconde aussi. Ouais, on aura peut-être même un ace. Il reste plus qu'une compte. Goober qui a eu un petit problème au saut quand même. Ah non, c'est Neuro. C'est Neuro qui a pris un bug. On aura peut-être pas un ace, il y a juste. Si, il y a Neuro rattrape. Allez, Neuro! Pour sauver l'ace. Ah, Neuro plus de vitesse! Neuro qui passe. Nice. Voilà, l'insect qui au final gagne le match sur cette map 4-0, que sans appel. Et puis avec un ace pour le dernier round là. Donc supériorité des insectes en tout cas sur ces deux maps. GG à eux. On va quand même passer, donc on joue toutes les maps à l'ESL hein, de toute façon, parce que c'est un goal average qui joue aussi, c'est un championnat. Donc on va passer sur Shiva, de Lokobuda avec Zerd. Qui promet c'est à Twitch, c'est qui, c'est Massa hein. Ouais, à Twitch c'est Massa. Ah mais franchement depuis qu'il y a les blocs mix là, c'est n'importe quoi les maps. Ouais. Ah, il y a là qui demande si Poké est là. Je crois que Poké est censé jouer, ce serait bien s'il pouvait jouer, en plus il s'est levé. Donc ouais, on passe sur Shiva, une map full block mix, mais au final il n'y a pas de bug. Très peu. Ouais, de bordure, mais... Franchement, le block mix c'est bien, mais il y en a trop quoi maintenant. Il n'y a même pas une map spéciale sans block mix. De base ça me plaît pas trop, mais là au moins c'est pas des trucs bizarres où ça crée des bugs, ça reste des trash classiques. Perso, j'aime bien quand ça change les maps spéciales, les types de maps spéciales, mais... Quand il y a que de ça, faut se tomber quoi. C'est sûr. Là, cette saison, ça va être son calmé par rapport. C'est vrai que la dernière saison SL c'était vraiment horrible. Ça m'a fait vraiment dégoûter. Ouais. Des trucs où tu passais dans l'eau, je sais pas quoi, enfin c'était bizarre. Mais là, cette saison, ils sont calmés quand même, ils ont compris, je pense. Parce que ça a bien gueulé au niveau de la communauté. Et du coup, on arrive sur des trucs quand même un peu plus classiques. Là, par contre, la fin de cette map, il faudrait vraiment en terre là pour prendre à droite, pour prendre le saut. La fin est très compliquée hein, avec la pression. La fin de cette map peut faire très mal. Bon, mais là il y a un peu moins de pression quand même. Hein, le match est déjà gagné. Au pire, le goal à virage, de toute façon, on sera ou avant-dernier ou avant-avant-dernier. Donc 5ème. Là, il n'y a plus trop d'enjeux là. Hein.
D'ailleurs, ça veut dire que les deux matchs où j'ai joué qu'on a gagné, c'était la 5-5 qu'on avait déjà gagné. Tous les autres matchs où j'ai joué, on a perdu. Conclusion, je ne sers à rien. Moi, je suis pas super train, hein. J'ai pas no life. J'avais bien no life le pack d'avant. Celui-là, j'ai un peu moins de temps. Voilà, j'ai essayé de. Il m'a passé dur à Régu quand même. Assez technique, assez lente. Là, on perd pas mal de vitesse là au virage. Donc, on est un peu obligé quand même de forcer tout le temps. Et puis la fin, donc. Faut être le plus serré possible là pour prendre à droite. Sinon. Le saut ne passe pas. Et là, c'est la punition. Hein. Si le saut passe pas, vu qu'on n'a pas de respawn, c'est le Del. Hein. Là, on va avoir des Del hein, sur cette map. Donc, chez nous, on aura Poke avec Neuro, Electron, Sierra et Lagain. On aura là qui font être en map. Et moi-même, As de cœur. Ouais, quand tu regardes les couleurs, c'est Del chez nous. Est-ce qu'on est rose d'ailleurs? Non, c'est rouge-bleu. Là, on est bleu. Ils ont mis bleu-rouge. Dans les pseudos, t'as du rose, blanc, vert, gris, noir. C'est le bordel. J'ai envie de demander à mettre le rose à Relight. T'as mis le A de l'As de cœur hein, comme en russe. Ouais, c'est eux qui m'ont donné le pseudo avec les lettres cyrilliques. Ouais. Stylé. C'est troll. Okay. Encore un warm-up. Vrai que le début est un peu bizarre par contre. Sur cette map. Oh, j'aime pas du tout les trajectoires. Franchement, ça va. Ouais, c'est parti. Yep, c'est parti. Une bonne ambiance là, team en face et tout. Ouais, je trouve ça sympa. Bien ouais. À ce niveau-là. Comparé à ce qu'on a connu les derniers matchs là.
j'ai pas touché. C'est quoi que j'ai pris sérieux? Non bah t'as de la chance qu'ils ont mis les points parce que sinon... Ah non mais j'ai pas touché sérieux. Oh ce slowdown. Oh mais what the fuck. C'est arrivé mon gars, c'était excellent. Mais ouais mais ça m'a... J'ai pris slowdown du coup. Non mais lance deux cœurs s'il te plaît. Y'a pas de bug sur TM. Oh mais mec, j'ai pas touché. Oh, c'est pour... Ah, c'est pour eux. Merde. Un point. Ah, dommage. Ah, je suis un peu la fin. Mais bon. Ah, je suis pas sur train pour faire des temps en match quoi. Pas grave wesh. Trappe des points. Il est pour vous le point, rassure. Normalement je peux régler point 6 quand même. Là, je suis vraiment loin. T'as point 16 de neuro, c'est super lourd. Clique. J'ai là. Yep. Du coup, c'est un point, c'est insecte, c'est tout ça. Ouais, ça a craqué chez Meno à la fin là. C'est moi qui ai fait le round là. Allez. Ouais, ça a craqué chez eux à la fin là. Là, tout le round ils étaient devant vous. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai. Enfin, ouais, je voyais qu'ils étaient un peu devant. Allez.
Ils ont craqué quoi. On l'avait quoi et. Ouais. Roule la pointe au dernier virage. Ah c'est dommage. Ouais. Allez insecte. Un rail lag. C'est trop. Oh, je prends le bug bizarre. Pas de bug sur TM. Ouais, je fais des erreurs bizarres. T'as 33-45, il me laisse tomber, hein. J'ai 33 en PB, tu sais. Bon, ça va, tant que je crache pas. Il est même pas démarré là, je sais pas ce qu'il est. Ah, j'avoue, j'avais pas vu. Heureusement qu'on a géré. Enfin, on a géré. Heureusement que vous avez géré. À chaque fois, cette erreur là, tu vois, je l'ai fait 40 000 fois. 40 000 fois. J'arrive pas à doser le cliff sur un dénivelé droite comme ça. À chaque fois, il me manque un peu et je le vois pas. Et je touche quand même. Là, j'ai fait un bon start. C'est dommage. Oh, ça va accueillir mes mates. Ça va, je suis pas dernier en point. Hein. Ouais, ça va, hein, c'est correct. T'es loin d'être dernier. Hein. Allez. C'est Poc, il est pas réveillé, je crois. Il fait encore dodo. Il est trop, il est tellement sick, Neuro. C'est ouf. Hélas, allez ah. Oh. Bah ouais, tu m'as dit allez. C'est sérieux. C'est sérieux. J'ai voulu la jouer pas là. J'ai voulu la jouer straight. T'inquiète pas. Hein. Straight to the pussy. Ouais. Les top 10, regarde Neuro. Regarde les temps. Ouais, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Bon allez. Allez go. Go go go. Encore deux points.
What? Mais eh hey, mais tu fais ça ou quoi? C'est abusé là. Putain mais c'est sérieux bien. Quoi. Ah mais là je peux rien faire. J'ai une dernière trajectoire. Mec. Ouais c'est bon, de toute façon j'ai perdu le focus, ça sert à rien. Putain ça fait chier quoi, deux fois à la fin. Une fois c'est ma faute, mais là putain, enfin deux fois je prends un bug à la fin. C'est bon, c'est cool. Normalement. Ouais, à l'aise. Oh, Poc qui passe pas. Ah, ça va. Easy. Easy celui-là. Non, ça fait 4 fois de suite que tu passes pas la rivière. J'avais dit c'est des meubles de merde. Ça c'est la colère. Là ça va être juste. Oh quoique, il y a du craquage à la fin chez eux. Ouais, c'est pour Ah non c'est pour eux. Ah non, c'est pour nous. What? Ah ouais, j'ai mal calculé. C'était un damier presque. Bah GG là. Ah ouais, GG hein, putain. Bug de merde, va. Pète les couilles, bug de merde, pute TM. Oh, au début ça allait, mais après j'ai perdu le focus. J'ai fait deux fois la même erreur au milieu de la map, quoi. Ouais. J'ai pas fini au moins 4 fois, tu sais. T'aimais pas trop la fin. Hein. Bon, coucou à Vincenzo qui est passé sur le chat. Du coup, c'est la fin de la saison pour Insectes. Je pense qu'on sera 5e. Fin de la saison en victoire. De quoi? Fin de la saison en victoire. Yep, ouais, un gros match hein, des Insectes. Hein, rien à dire. Ouais. Dommage qu'en milieu de saison on a eu un coup de mou. Ouais. Bon les gens, sur ce, merci de nous avoir regardé. Et moi je vais partir last avec sur la cup de des Orcs là. Vas-y. Et puis de toute façon il y aura d'autres prochains streams, hein. Tenez-vous au courant sur la page Facebook. Ou demandez-moi. Ouais.
Et voilà. Restez. C'est possible que je stream la finale de l'ESL dimanche prochain, tenez-vous au courant. Ouais. Voilà, puis ça, il y a bien qu'on le fasse. Il y aura du train ou d'autres cups en attendant. Donc voilà, c'est pas fini, même si l'ESL c'est fini pour nous. Les streams seront encore là. Ouais, voilà. Bon, allez les gens, à bon plus. Dimanche à vous. Et à bientôt. Tchou tchou.